J'ai testé Pepe Chicken pour la première fois et tu vas voir, c'est pas mal du tout. Allez, je te donne mon avis, c'est parti. Et pour le coup, aujourd'hui, j'ai fait une grosse commande, on va pouvoir tester plein de choses différentes. On commence tranquillement avec le Pepe Burger, en gros, c'est le classique de chez Pepe Chicken. Il y a deux beaux tenders, un bon pain, un burger bien moelleux et pas mal de sauce. Franchement, c'est très très bon. Je vais le tester avec toutes les sauces que j'ai commandées. La sauce verte, franchement, pépite, elle est incroyable. J'ai également testé avec la Pepe classique et c'était une dinguerie. Pour le moment, j'ai rien à dire, c'est un régal. De mon côté, je finis le burger et ensuite on passe à la suite, les tenders et les waffle fries, elles ont l'air incroyables. Bon, clairement, je l'ai déglingué en quelques minutes, c'était une dinguerie. Maintenant on passe aux tenders, franchement ils sont pas mal du tout, ils sont assez gros et on va les tester avec la sauce qui pique plutôt fort. Waouh, ça pique sévère. Wouh. Alors franchement la sauce elle est hyper bonne mais elle est super épicée, je m'y attendais tellement pas. Rien à redire sur les tenders, la chapelure était bien épicée comme il fallait et avec la sauce verte franchement une pépite. Pour finir on termine avec les waffle fries. Alors pour moi qui suis pas un grand fan de frites, c'est cool, ça change un petit peu d'accompagnement, franchement c'est à tester. Et au fait j'ai oublié de te dire.